Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de La Réunion. Vous regardez Plaisir Créole avec Soleil Réunion. Ben bonjour à toutes et bienvenue cette semaine encore dans l'émission de cuisine. Ce soir ici même, Bassin Labou, Atéala, comme il dit, Atéala, oui, Atéala. Et ben ce soir, pas mal de personnes hein, qui viendront faire la cuisine avec nous, toute la famille de Jean-Paul Volney, avec Gabi, Laïcune, avec Émilie Volney, la fille de Jean-Paul Volney. Enfin, un paquet de monde en tout cas, mais ils vendent peut-être la peau de l'ours avant la voiture, parce que maintenant, pourquoi arriver, que c'est connecté, arrive à l'heure. Il paraît qu'il y a aussi des artistes un peu comiques qui seront là ce soir. Calix peut-être, parce que vous avez vu Calix arriver tout à l'heure, peut-être Calix arrivé après la repartie aussi, parce que vous voyez que des fois, Calix, là, hein, il arrive un petit coup comme ça, il regarde un petit coup, il sent si le délai pas bon, peut-être Yaro, ça va, après Yaro revient sur mon talent. Hein. Puis des artistes aussi de Saint-Paul, des artistes qui font l'actualité tous les jours, qui seront là aussi ce soir avec nous, au menu ce soir. Ça demande à moi là, c'est ça qui est à soir. Ben oui, à soir, c'est porc. Oui, à soir, il mange cochon. Ouais, cochon avec calebasse. Non, l'auto y arrive, ben là, il vient d'arriver. Nous, ça va vite. Et puis un instant, nous commence tout de suite l'émission de cuisine là, ce soir, avec porc calebasse. Allez, nous, ça va. Monsieur Jean-Paul Volney, la coupe Saint-Pierre, sur la race papa. La coupe Saint-Pierre. La coupe est. Vous la ramassez prix, médaille de Batomouroum. Ouais, la belle, je ne peux pas mettre safran. Hein. Non, mais safran dans mon poche. Safran de poche. Ouais, il a fait exprès, mais il m'a mis safran dans mon poche. Eh, les bons lots. Bienvenue. Monsieur, dame, bonjour. Monsieur Maroni. Eh bien, monsieur Maroni. Quoi ça fait mon gars. Non, mais les deux commencent par M, c'est pour ça que m'a trompé. Et comment ça bataille du studio. Conseil dit ça, non? Ben, bonne année, bonne santé. Bonne année, bonne santé. Ça va. Hey, une moustache. Vraiment? C'est un vrai, quoi. Ouais, bruit ça. Allez, bon alors. Comment ça va? Et là, tranquille. Ça va, nous retrouvons, Valestin? Oui, ben ouais. Et comme il reste contre alors. Allez. Ben oui, ben il faut. Mais parce que ça, c'est long, ça, Jean-Claude? Pour trier ça. Moi, de Mouron. Jean-Paul Volney, qui ça l'a dit comme ça? Eh, nous, ça met safran dedans, là. Justement, ça fait la malice, Mais de bon courage, alors. Merci. On voit comment ça cuisine. Ok, pas de problème. Hein? Oui, quand arrive au... À Fonne. Tu as trop parlé. Ça doit être une maladie, ça, non? Certainement, oui. Si tout le monde achète pas un iPhone. Achète pas iPhone, hein, non. Au mieux l'autre. Mais dis pas, hein, dis pas. Mais iPhone est bon, c'est ça. Oui, c'est le meilleur. Si vous voulez, si vous êtes sage. Oui, ma triée, moi, comme ça, elle va chanter pour moi. Et ça n'a pas fait photo, là, ça fait quoi? Super, impeccable. Bah, je suis chez toi. Je suis chez toi ce soir, ce vendredi soir. Les beurrés, c'est une poésie. Non, mais c'est ça la surprise. Ah, ça, c'est ça, c'est une belle surprise. Merci, c'est gentil pour l'invitation. Jean-Paul Volney, ça fait un peu croire les histoires montées comme ça. Jean-Claude. Vous pouvez croire. Jean-Claude, ça dit, vous connaissez quoi? On a plein de choses, comme dit Bonaïro Liano. Ah bon? Monsieur. Ah bon, ça, mais invite à moi, hein? Elle invite à moi aussi, hein? Écoute, Jean-Claude, bien ça veut dire. Monsieur Jean-Paul Volney, c'est un ami de longue date. Et où? Pas l'empire, n'a pas l'empire. On ne connaît pas ça, Nédé. On a fait service militaire avec TSA. C'est vrai, oui. Voilà. Donc. Bonsoir à tout le monde, hein. Gros bisous à tout le monde, à tous ceux qui viennent voir moi tout jeune petit message pour vous autres.
Bon, mi fait tout le monde un gros bisou à toutes les personnes que m'a croisé. Elle a dit fais-moi un petit coucou, me fais un petit coucou. Et n'oublie pas, Zot, après m'a dit les noms tout à l'heure. D'accord. Voilà. Elle a des noms, m'y mettre dans mon répertoire, moi, à chaque fois. Voilà. J'ai mon répertoire. Ça, ça c'est un sacré madame. Pas de soucis pour ça. Ah oui, mon cher. Allez voir les rats. Viens voir mon tête blanche. Viens voir mon joli tête blanche. Qui téléphone à moi, qui téléphone à moi à chaque fois qu'il vient à la réunion. Ça va encore découvrir mon numéro par cœur. Ça, c'est mon vieux grand monde. Regarde là. J'ai plaisir de retrouver. Les amis. Eh, machine à jeter. Ah non, pas du tout. J'ai confiance en moi. Pas de problème. Imagine, j'ai encore des grands monde. Là, ma propre. C'est banal la trace, la route pour nous. Et regarde aujourd'hui, ça nous laisse grâce à ça. Et ben, à nous, c'est grâce à Madoré, c'est grâce à Maxime Laroque, cette bonne santé avant aussi. Et après, nous l'avons appris. Ben oui, on a les transmissions. Et c'est pour ça que j'ai jamais oublié, moi. Ah bon, il n'a jamais oublié, où? Ah, il n'oublie pas, moi. Alors, Jean-Paul, que son santé à soi, avec cuisine. Hein? Viens un petit peu dans la lumière, parce que la lumière, allez, éclairé, ou? À moi? Oui. Mais aussi bien éclairé. Ah oui. Jean-Paul, je vous n'ai pas trop bien éclairé, ou? Viens un petit peu dans la lumière, parce que sinon, on risque de venir. Voilà, je suis fatigué, là. Encore, c'est un peu fou, t'as l'air. Mani, installe mon marché forain. Vous l'amène vrai. Vous êtes présenté. Alors, ma fille, comment vous donnez le marché forain? Alors, ça, c'est deux calebasses que mi remercie et Colibri, parce que mi doit aller nous dîner dans la Saint-Valentin. Viens, autre Saint-Valentin. Colibri, ça, là. Saint-Pierre. Ben oui, la pub n'est pas si fréquentée. Ah bon? Ça, c'est Henri. Henri Colibri. Monsieur Viry. Monsieur Henri Viry. Bassin-Plat. Ça, ils sont dans la ravine, la rivière d'abord. Ils sont dans la ravine? Je dis, ça est légal ou pas légal, ça, alors? Toujours. Tout est légal. Quand c'est les légumes, c'est toujours légal. Le bout de la ravine appartient à la rivière d'abord. Et après, moi, je te raconte, Béanie, t'as ramené tout le monde. Ça, c'est monsieur Éléonore, la tient son cochon. Ah bon? Qui est Léonore? C'est son anniversaire. Il a dit non, pas son nom de famille. Hein, donc, voilà, monsieur Léonore, toute la famille, tu connais. Dimanche, c'est son anniversaire. Il y a dans un bon morceau, il y a des mots comme ça. Feu de carré, mais n'oublie pas, 10 Canal Austral. TV Piment. TV Piment. Canal Austral. Le cochon t'appelle Cadine. Le cochon t'appelle Cadine. Et dimanche, c'est son anniversaire. Il n'est pas Cadine, il est capote. Alors, quand il est fini d'armer les deux, il dit, moi, est-ce que vous voulez encore? Mais il dit, nous n'avons pas de monde, il a rajouté ça. Voilà. Merci, monsieur Léonore. Et ça couche avec ça. Mais ça, c'est le reliquat de ça, mais la pointe à côté. Le reliquat. C'est le nom de famille, monsieur Léonore, comment? Il n'y a pas son nom. Ah, t'as le laïa, tiens, moi. Mais monsieur, on a un grand nom, hein. Ah ben oui. Encore Jean-Claude. Un grand nom Malba. Simplement, comme dimanche, je ne souhaite pas d'anniversaire tout de suite parce que, voilà, il y a dans nous les morceaux. Il a dit, donne la zone les bonjours. Et il est fier que son cochon, ça a mangé à votre table, à notre table ce soir. Voilà. Donc le 14 février, au champion Henri Saint-Pierre. Ah non, parce que le bassin plat, bassin plat, parce que plaisir. Manger est un plaisir, oui. Hein, et ce cochon-là, il ne va au moins participer. Oui, ben oui, il s'appelle Cadine. Hein, coucou à Bernard Mayos qui a fait ça. Coucou Bernard, ça, et Monique aussi. Le petit zébu. Et ça, c'est un cochon, elle mange baba figue, elle mange le tronc, pied de figue, tout ça. Mais là, voilà, regarde la viande comme elle est. C'est pas un cochon. En France. C'est pas un cochon de grande distribution. Non, mais en France, on prend ça, ouais. Ça, c'est un cochon qui comment. Tradition créole, voilà. Un cochon bio. La daïette, ce que nous mangeons, nous devons faire. Qu'on a fini de manger là. Demain matin, nous devons faire bourreau. Jean-Paul. Jean-Paul, quand ça la cour. Jean-Paul, entre nous. Mais par où ça cuisiné? Non, cuisiner, c'est mon jaune. C'est pas de jaune. Dis comment j'en ai. T'as fait de fruits là-bas. Moi, y'a pas. Stéphane à la mairie de Saint-Bédois. Voilà. Alors, grand cuisinier devant le peuple. Oui. Et à soir, je vais avoir le talent du petit Stéphane. Les bons, voilà. Oula, le mari d'Émilie. Les bons, un petit coup alors. Allez, comment il est? Ah, il est bien. Il est bien? Il fait chaud. Il fait chaud, il paraît que. Là, vous avez la ligne de vélo. Ah oui? Ah oui, cuisine. Je suis sans essayer parce que là, tu m'as fait calebasse, pas calebasse. Ouais. Avec. Madame Ben Mouroum, ouais. Un petit peu en retard, mais pas grave. Un porc calebasse,
Voilà. Après, ça a dit encore Massalé. Massalé. Massalé poulet, voilà. Et puis, avec. Vous cuisinez depuis longtemps, non ? Bah, moi, depuis. 98. Ma cuisine en France, ici. Ah, bah, ouais. Et votre spécialité, c'est quoi, encore, cuisine comme ça ? Bah, moi, c'est tout créole, métro, chinois. Tu sais, métro, on a un plat pour réussir bien. Bah, un peu tout, hein, ouais. Oui. Foie gras poêlé. Bah, ça, faut. Un peu compliqué, ça, quand même. Hein. Ah, oui, parce que le foie gras, il est quand même délicat. Délicat, ouais. Donc, c'est fait pas comme ça. Donc, ouais. Il y a beaucoup d'étapes à faire, tout ça. Donc, Le devinage. Ensuite, le sac. Non, mais en poêlé, c'est un tas de non. Oui, madame Joe. Non, fais pas comme ça. Et donc, ce soir, c'est porc. Alors, porc albas, à la créole. Et massalé poulet. Massalé poulet. Et puis haricots rouges, voilà. Bon, avec du riz, avec un petit sac citron. Un petit sac citron, tu as fait m'a fait, m'a fait un petit. Voilà. Tu fais, nous allons mettre au riz là-bas. Voilà. C'est juste que nous cuisinons là-dedans. C'est bon. Oui, pas de soucis. C'est bon, mais nous, ça cuisine, nous avons un petit coutier encore là. Ok, d'accord. Pas de problème. Bon. Merci. Tu m'as amené, moi, il hache ton mat. Ah oui. Ah bon. Il donne la main, tout le monde met la main à la pâte. Oui, voilà. Bien sûr. Et il y a trop vite, quoi. Il faut ça là. Ah oui. Enfin, couper, coupe bien, hein. Ah, pas besoin. Même si coupe pas bien, pareil. C'est pareil. Ah. Bon, donc, là, ça vous fait des oignons, ou tomates, et après la voir. Ah, hein? Tout à l'heure, oui. Ah, ça va un petit coup. Stéphane. Oui. Hein, qu'est-ce que ça fait là? Là, autant que tu prends là. Là, je viens de couper le porc. Autant coupe le porc. Bah, c'est de vexer le poids avec un petit peu. Je vais ça et ça prend. Même vêtement, gagne une petite couleur. Ah, il y a une couleur ça alors. Ouais, mais le goût aussi, mais après t'as l'air, on va refaire un petit peu. Donc l'astuce, c'est quand on assaisonne, on met un petit peu ça. Voilà, mettez ça prend dedans. Gagne une jolie couleur, après qu'il fait le cuit là. Ouais. Mais il est un petit peu. Voilà. Ça fait revenir à lui là. Voilà, un petit peu, pas tout en même temps. Ouais, un petit peu. Voilà. Après, ben. Là, ça fait connu un petit peu à la créole, là, votre calebasse dedans. Voilà, mais calebasse, mettez à la fin parce que c'est comme je suis. Ah oui. C'est la même variété que chouchou, donc si on met trop tôt, il crase après. Ouais, donc on met à la fin alors. Voilà. Ok, c'est bon. Même nous, ils avaient pas mangé, c'est un tisane qui fait chaud. Parce que nous, c'est quoi, Adam, mais c'est un tisane. Ah bon? Ah ouais? Et qu'on s'entend râler comme ça ou là? Là, on t'en râle deux, trois gousses là. Vous connaissez, moi, il y a un courage, moi. Quand on râle là, comme ça, il vit jamais carré. Mais oui! Pour mieux coup, comment l'arrivée, je n'ai pas rien payé. Ça me dit que je peux te racasser. Parce que ma vie, ils ont pas le volné avec un gros bouquet bois de mouron. Ma pas dit rien, m'a fait comme si je m'y aime. Ah, comment les rats ou trouvent le bouc, j'ai où un bois musical. Merci. Merci, mais non, ok, mais je m'en vais bien avec ça. Mon carême fini depuis janvier, ma pire carême. Ok, paf, paf, tiens. Ok, vois comme vous l'avez, moi, j'en ai le cochon là. Ah, c'est un secret. Il reste entre les autres et moi. Vois comme il voit un bout de la dernière cochon, mon madame n'est pas du côté, moi. Mais quand on voit moi plus là, il y a m'y connais l'année une bonne nouvelle. Je suis un carré dedans, je suis un carré pour sauf comment moi. À nous, on n'est pas délicat. On n'est pas délicat, nous aimons tout qui est carré, mais quand on aura jamais le meilleur. Écoutez, oui, mais quand tu vas en boîte de nuit. En boîte de nuit là, explique-moi un coup. Ben, tu fais ça ou tu marches avec un gousse là, il y a une poche ou non? Non, moi, moi, jamais fait. Parce que je mettais gentleman, moi. Regarde le gentleman. Non, en fait, longtemps quand ça dansait, tu connais des fois le danger, je ne vais pas danser quoi. Et les gars, ben, ça allait bien effronter, pas moi, non, on n'était pas effronté. Les gars, ils mangeaient des trois bouches là, comment pas non ah, vous ne pouvez pas dire ça de moi, comme ça. Tu vois, son créole, les simples, tu te fais son camarade, mais j'ai déjà fait. Mais c'est pas moi, hein. Et donc, des gousses là, ils demandent le temps, je vais danser, moi, je vais danser, qu'elle dit ou non. Ou l'un peu en salé, ou l'un peu Camille, il n'a pas vexé. Hein, allez, plie ça, là. Quoi pour pas perdre la bête. Mais le zombie, il est dégueulasse, hein. Ah bon non. Ouais. À nous les gens de moi. Après, voilà. Hein? Mais aujourd'hui n'est plus comme ça. Aujourd'hui c'est la classe à Dallas. Aujourd'hui ne donne pas là, il vous plissez. Non. C'est bon. C'est bon. Coupez. Non, coupez, coupez, coupez. Aujourd'hui, il râle, bon moment. Bon moment. Vous les voyez, en plus que ça. Là, vous imaginez, nous viendrons rencontrer une petite madame. Premier carré, donnez, vous faites bon moment, vous triez. Comme un chien. Les beaux pour les cœurs. Il faut y en avoir même le cœur. La mère, tu me l'as beaucoup conseillé aussi. Non, mais quand il rencontre le madame, mais moi, je m'en fais ça. Mais moi, je m'en fais une affaire. Bien souvent, là. Quelqu'un est le choc, là. Le fond, il sort de 20 kg, c'est le bouc.
de mon camarade. Oui, comment pas de rien. Ah, bien parti. Mais tu es mal. Mon gars, tu plais. Non, non, non. Non, les hommes, les fiers. Mais... Viens voir mon spectacle, je vais voir. Ah, oui. Tout à l'heure, on parle un petit peu de ce spectacle-là. Exactement. Il n'y a pas de souci. Nous oui, et reste connectés, eux toutes. Ouais. On y aller. Alors, pour revenir le coq, alors. Voilà. C'est le coq, ça. Julie, vous l'avez vu, il fait revenir avec un petit peu safran dedans. Ben oui, tout à fait. Il donne une couleur, hein. Dans une couleur, hein. Ouais. Et Julie, en parlant de couleur, hein, vous connaissez les rayons sur les couleurs, tout le monde regarde tu veux comment arriver. Au roi d'amour, là. Oui, aime bien, on l'a dit, hein. Alors, on regrette. Oui, aime bien, mais vous croyez un peu quand même. Nous, de temps en temps, change un petit peu. Ben bien sûr, parce qu'on danse, on l'a dit, moi. Il faut changer. Oui, aime. Il faut changer. Voilà, tout à fait. Et donc, vous avez vu comment il fait revenir ça avec un petit peu sa prendre dedans, hein? Oui. Magnifique, hein, regarde ça. Ça capte encore, on l'a rajouté. Mais comment ça se fait là où on fait revenir avec sa prendre dedans, hein? Ben, il fait changer un petit peu. Et puis, quand le carré, la couleur est plus jolie. Oui, c'est pas blême, comment j'ai carré les blêmes. Mais voilà, moi, c'est pareil. Il aime pas être blême, il aime bien la couleur. Il aime pas être blême, il aime la couleur. Oui. Oh, d'accord. Alors, il aime bien la couleur. Mais t'as pas 6 mois, comment t'as fait mes coups? Après, comme les coups. Et on te voit, elle est bizarre. Oui, parce que elle est à fond, m'a dit, on m'a acheté un iPhone. Mais yeah. Voilà. C'est du frit de poulet pour massaler. Là, ça, c'est du frit de poulet, alors. Le poulet aussi qu'on fait frit ou mettre un petit peu ça fait encore. Ouais, mais son beau-père, elle est comme ça, il met pas ça prend dans le bas de room. Ah, ben oui, ben écoute, c'est son façon de faire, hein. Alors. C'est sa tisane. Ouais. Donc, monsieur et madame Mogadian, pas d'autres gros bisous. Madame Mogadian, avec un bon petit bijou, tout ça là. C'est vrai, un réel plaisir de rencontrer à de discuter avec d'autres. Donc voilà, je vous fais une petite dédicace et un gros bisou à vous. Et n'oubliez pas les autres aussi, bien sûr. Gros bisous à tout le monde. Bon, allez, on peut ah, ben bien sûr. Mon arbre marmite qui donne envie de manger. Tout à fait. L'odeur qui émane de la marmite, les épices et tout ça, c'est. Voilà. C'est bonne cuisine beaucoup. D'accord. Et ben là, on en met beaucoup aussi. Ah, ben voilà. Ben, Marie-France et Nicolas, passez un petit bonjour. Marie-France et papa, Nicolas. Ah, mais là, ça fait revenir. Hein, ça fait revenir. Mais Nicolas, pense à la partie. Mais elle va faire revenir. Elle va faire revenir, hein. Voilà, elle revient, bien sûr. Jean-Claude, là, elle est bien. À soi, me découvrir des personnes un peu, m'a déjà entendu à la radio. Je vois du mieux en personne. Je connais les autres noms maintenant. Bernic, par exemple. Vous m'appelez Bernic? Bernic, c'est un gros de la mer, ça. Mais ça même, à mon moment. Bernic! Moi, vous Bernic? Bernic. Bernic, alors. Voilà. Bernic. Oui, Béni, comme si vous-même, ça y trouve la mer Sainte-Rose là-bas. Voilà, vous connaissez où c'est côté là-bas ou non? Ben justement. Direct en point pour la mer. Ben après, nous trouvons un peu notre camarade volé comme d'habitude. Oui. Il a poigné même un petit peu. C'est notre ami. Hein? Ah, c'est un frère Jean-Paul, c'est un frère. Après, mon gars Yoshi, cassé les cuilles. T'as laissé Sarah une affaire pour nous, lui. Nous va voir, ben, comment il râle ça? Ben, nous va voir que ça lui râle. Mais moi, je suis content de passer une petite soirée comme ça. Ben, loin du sud. Tu commences l'année comme ça? Oui. Tu commences l'année où avec un gars en douille? Oui, oui, ma demande l'année 15 jours, gars en douille. Bien alors. De manière des petits biguettes pour faire là. Des petits biguettes? Ben, pour les trois noms que je m'ai retenu. Oui. Samoussa Tropique et Saint-Louis. On a François Toupin. Et la ravine des Cabri, la casse automobile Saint-Louis. Ouais. Et aussi un petit camarade à moi, Jean-Louis, Bonneuf Coco. Ah, le bon. Ben. Okay. Et donc, sans oublier le big up, me fait à
beaucoup de personnes disent moi fais un big up pour eux. Mais là, moi, la fini, le nom est tellement long. Donc, je fais big up tout le monde. Je fais un petit big up pour eux. Ben, bonne année aussi. Allez, pourquoi bonne année. Bon, Béani, un petit big up pour faire. Dans le radio fréquence sud, tu n'as pas fait big up aussi, ben? Ben, m'entends dit qu'Alexa, ben, il envoie big up, il envoie big up, mon bon sponsor. Salut François Toupin. Salut François, merci. Ça, elle est au top au Réa chez moi. Fréquence sud. Ok, alors. Ben, et fréquence sud, là, hein, les grandes lignes là-dedans, là, comment ils font pour ben, fréquence sud, c'est une radio NAPKKIL, c'est une radio associative, mais c'est une radio commerciale. Hein. Là, un peu comme Freedom, Exo FM et tout ça, mais bon, mais commercial, mais bon, et avant tout, c'est local. Ouais. C'est-à-dire, nous mettons dans les artistes pays avant tout. Après, ben, maman a choisi ce format-là, c'est-à-dire d'avoir un format sans modération, parce que faut nous faire aussi une voyature via tout le monde. Mais le vrai, avant tout, nous regardons la Réunion, et après, nous avons quand même une petite voyature, c'est tous les pays du monde. Parce qu'aujourd'hui, quelque part, qu'on a une radio commerciale, on connaît très bien comment il fonctionne, donc voilà. Mais en tous les cas, ce soir, moi, je suis fier d'être là, fier d'être avec Jean-Paul Volney, Nyoga Luciano, là, mon gars, Calix, Raoult, mon madame et tout le monde, ben, super, nous passons une bonne soirée. Très bonne soirée. Pour un week-end, comme dit Bona, pour un coup, nous à l'Archa Radio, moi, je suis à Sainte-Suzanne chez vous. Ben, merci de l'invitation, merci de l'accueil. Et crois-moi, Canal Austral. Les abonnés, Langue Patien, abo 974. Big up Canal Austral. Il connaît. Ah oui, il connaît. Big up Canal Austral. Big up Canal Austral. Canal Austral, le 974 déjà. Après, big up l'Océan Indien, big up tout le monde. Oui, tout le monde qui connaît. Voilà, nous, tout le monde. La famille, et, les enfants, tout le monde. Et notre président que, du côté de Madagascar, il vient d'être élu. Big up Andri. Il connaît, lui. C'est bien Nicolas avec lui, là. Ok, alors, allez, bon, ben, écoute, nous a cuisiné encore un petit peu. Hein. Voilà, bah, oui, cuisiner parce qu'on attend de manger là. Nous l'a fait, nous l'a fait là. Allez, allez, tout à l'heure, tout à l'heure. Tout à l'heure. Super, merci Jean-Claude. Coucou, on a fini. J'ai triché. Pourquoi triché? J'ai mis au congélateur. Pourquoi faire? Parce qu'après, c'est plus facile. Ah, d'accord. Voilà. Tu as congelé bien? Oui. Je vais connaître la technique maintenant alors. Quoi ça? Ah, bah oui, quand ils mettent au congélateur, après, ils reprennent après. Donc, c'est ce que Miva fait. Une minute, tu ben oui, ben avec un spécialiste du Breading Boom, ben, comment ne pas connaître papa, c'est ça. Bon, mais ce soir, comment ça cuisine ça Mais je sais pas, ce sera une surprise du chef. Voilà, la surprise du chef. Ah, ben les mettre safran dans toutes les affaires, ça c'est le grand mystère. Les mettre safran dans tout bien. Ah, ben oui, ça c'est le grand mystère. Tu es traumatisé, tu es là. Comme on a dit, mettre pas safran dans le grand mystère. Là, il a intérêt à faire bonne impression, hein, parce que sinon. Beau-père est là. Beau-père est là. Attention, ouais. Bon, mais il est 16 ans, t'as eu vagué à notre petite occupation. Le bon, on lui revient. Salut. Eh bon. Alors, Gabi, comment ça va? Ah, elle est bien. Ouais, j'en ai bien. Non, pas moi-même la pluie. Vaut mieux la tomber parce que tu fais trop chaud. Alors, ça va, on l'a vu être au chemin. Oui, comment il connaît pas ça? Il connaît le chemin par cœur. Jean-Paul n'est pas là où la côté Jean-Paul, deux cassés. Tout en est là. Maman, depuis 82, on a bien connu. Comme tu es Antoine en France, et puis depuis avant. Comme tu fais juste Saint-Pierre, tu viens voir, moi c'est Tibab, tout ça. Oui, non, je suis souvent. Ah, tout, presque tout. Cuisiner trop ensemble. Non. Peut-être qu'à l'occasion, un petit peu. Non, l'occasion, il faut un jeune. Ah bon, allez, il faut pas de mon alors. Il faut rien, bon de mon alors. Il s'est commencé, il rentre à Oli là. Alors, il se va roussir, La fille qui revient, ça, le bon, là, non. Ça finit. Ça finit. Non, même salé, ça met le bocal basse dedans. Ah, là, Voilà. Il a mis un peu de trier, mais il a passé un petit peu dedans, retirer encore deux, trois affaires. Voilà.
Ah, mais adore. Ouais, elle écoute tout ça. Au moins 500 maladies. 500 maladies. Un petit poignet comme ça, on mange assez par jour. Oui. Tous les jours. Ben, tous les jours, un petit poignet. Voilà. Avec deux vies blancs, et puis prête pas dessus. Gaille tomate, t'es fait chier. Comment elle passe en balade pour la mourir? Bernie, il dit moi, viens, où viens, où on retarde la viande. Là, c'est vrai, non, mais. Non, mais nous délit, de toute façon, on commence 1er janvier. 1er janvier, nous délit là. Nous délit fâché là, 1er janvier. Ah oui. Regarde, 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 Un regret. T'écoutes à moi, Chipé amène la mourie. Mais là, il y a un malentendu qui amène la mourie, qui amène pas. Après, là, dis-moi, nous, on en a des viandes, on en a poulet. Vous devez pas me mettre safran dedans. Non, mais ça, ça fait. Vous devez pas me mettre safran dedans. Dis-moi. Pois calbasse. Là, ça fait quoi avant? Pois calbasse. Pois calbasse. Vous faites le thé avant ou alors? Ah oui, avant ou après, comme vous voulez. Avant, d'accord. Le thé, on a un petit oignon avant. Mais il ne faut plus les choux, hein. Un peu l'ail. Oui. Et là, donc, ça l'avait là dans un kilo de calou. Là, si c'est calé, nous parlons qu'il se met au calou. Là, il s'agit d'un jambe. Là, il s'agit d'un jambe. Vraiment, pas mettre. Non. Vraiment, mettre dans la. C'est tout à l'heure. Là, c'est bon tout à l'heure. Hein. Okay, hein. Ben là, si tu vois la phase de la cuisine créole, la pression. C'est bien la terre. Ouais. Ça, ça fait pour le grain. Ah, on fait plus comme le tomate. Ah, oui, on fait du grain. Et dans le grain là, hein, c'est nous qu'on ne peut jamais mettre poivre dans le grain. Ah, on se parle. Oui, normalement, on va mettre ça. Et là, toujours l'ail. Pareil. Même si j'ai un jambe dans le grain, pas grave. Allez, pas grave. Ah, beaucoup, c'est moi. Pas beaucoup, hein. Très peu. Il est bien, hein. Ah, ouais, et il est bien. Il est bien. Il est bien. Quand on a fini de faire, mais la morue, la première bout de la morue, il traîne par là. Bon, Olivier, après, est-ce que tu es prêt? Ah, l'amour. Tu sais, mais c'est l'amour. Oui, il faut me donner un voisin. Tu fais un tomate alors. Tu fais bien. Bien sué, ouais. Par contre, la petite là. Un petit peu, mais pas trop. Un petit peu, mais pas trop. Tu vois, j'ai vraiment l'assassin là. Ah, ok. Il s'en va. Vous voulez attaquer le calebasse alors? Bah pas tout seul. Volnez avec moi. Volnez avec vous. Bah. Julie, viens voir calebasse. Julie. Oui, il est difficile. Julie, comment il est? Julie. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe avec la calebasse là? Mais là, il faut une bonne calebasse là. Gros calebasse, monsieur. Oui, ah bon, un problème la peau. Et bien là, comment il fait? Ah non, la peau, il faut tirer la peau. Voilà. Oui, elle est difficile d'enlever la peau. Non. Non. Calebasse, l'étang n'est pas difficile. Là, l'étang est un peu là. Et là, où on lève c'est le grain. C'est un connaisseur. Ouais. Hein. Attention, il ne faut pas au couteau. Non, inquiète pas au couteau. Mais de toute façon, il met sur la fin. Il met sur la fin, calebasse. Attends. Vous en croyez? Ah, qu'est-ce que tu crois? Mais bien choqué, moi, ma peur. Oui, ah. Mais non, mais. Ne dis comme ça que. Ah, il faut pas faire ça à la case de Maya. Fais pas ça parce que moi, les batteurs, depuis 15 ans, ils battent. Donc, on a des années d'entraînement dédiées à la manipulation attention, du la baguette et du couteau. Attention, les enfants. Voilà, les autres peuvent faire ça avec une baguette batterie, il est inoffensif. Voilà, voilà. Il n'en reste pas moins vrai. Il n'en reste pas moins vrai. Cher petit bébé qui m'écoute et qui veut jouer au jongleur improvisé. Que le jonglage, même le plus circonspect, arrive à des contingences qui dénotent certaines relativités. Moi, je me borne qu'à constater les faits, il faut s'entraîner. Voilà. I love avec les baguettes, pas avec le couteau. Bravo. Attends. J'adore. Oh là là. Je profite ah de l'occasion oui. Ah oui. Pour faire un bisou à ma Barbie. Eh, fais des bisous, papa et maman. Ah, Barbie. Dominique et Patrick, vous êtes des terroristes. Voilà. Ben, ils déclarent parce qu'ils ont fait une bombe. T'es sale à la blague. Bon, madame de Jean-Paul, gros bisous à toi. N'oublie pas où, hein. Avec son bichet de menthe, quand elle a venu l'autre fois. Voilà. Mais nous continuons avec les calebasses, hein. Et après, ça a coupé un petit morceau, là, Jean-Paul. Oui, oui, il a coupé un petit carré, petit carré. Un petit carré. Et petit par carré. Contre, ça a trouvé un bol pour la mettre dedans. Voilà. Hein. Parce que et sinon. Et nous, on a un safran comme ça, t'es là, on a tout ça. Qu'est-ce que ça fait, là? C'est un moulasson ou quoi? Hein?
Ah non, ça c'est les condiments. Voilà, ça c'est un autre. Ah, mais ça va, allez-moi là. Là, on va mettre les grains là-dedans. On met les grains. On chie un petit peu. Les grains sont là, ils non, hein. Ah, regarde oui, bah, oui, oui, oui. Un petit coucou à Gérard. Gérard Angama, le patron de Soleil Réunion, qui regarde à nous tout le temps avec toute l'équipe là-bas. Et à la Mara Sainte-Marie. À la Mara, oui, c'est un gilo. Voilà. Ah, si il est bien en crème, hein. Il est bien en crème. Ah oui. Ah, ouais. Et nickel, ça va. Ouais, Calix il a mal là, Calix il va y a où, on connaît Calix, le géri de Soleil Réunion. C'est veilleux, voyons. Et vraiment, qu'on se la mette là-dedans, là, hein, m'a pas vite trop. Alors, hein. On va mettre sel, poivre, ouais. Oignons, le thym, un petit peu gingembre. Ouais. Ben c'est tout. Bon, généralement, ils mettent pas gingembre, mais peut-être gingembre. Un petit goût, pas beaucoup. Ils s'ouvrent un petit peu mieux. Un petit point, un petit point. Un petit point, voilà. Et puis 4 épices aussi. À 4 épices aussi, alors le grain, hein. D'accord, haricots rouges. Voilà. Voilà. Il est bien en crème, là. Ah, là, ça fait nickel, hein. Ah, ouais, quand il est comme ça, là, tu vous as fait payer longtemps, là. Non. Là c'est bien, prends ce bon épice, la couleur, le goût, voilà. Sel. Ouais. Après les bons qu'on va aller là, c'est voilà. C'est bon. Ok, mieux. Hey, nous on l'a rajouté à la fête dans votre marmite là. Vous l'a rajouté à calopiné. Non. Et voilà. Quatre épices. On va mettre un petit branche calopiné dedans. Ouais. Parce qu'il y a un magnifique carré créole, mettez calopiné dedans. Ah, pas obligé de massaler, il faut mettre un petit peu tout dedans. D'accord, voilà. Okay. Julie, on a bien vu là, hein. On a bien vu, ça c'est le carré créole, ça. Voilà. D'accord. Ouais. Hein. Donc rappel, à moins qu'on soit à mettre comme épice dedans. Alors on va mettre sel, poivre, le thym, 4 oui. épices, un petit branche calopiné. D'accord. Gingembre, l'ail. C'est tout. Et puis tomate et puis safran. Et safran. Et là voilà. Un petit peu de thym avec 4 épices. Voilà. D'accord. Donc ma main, elle n'est pas compliquée de refaire sa chemise. D'accord. Je vais juste prendre le temps. Alors on va mettre là, dedans. Là on rajoute toute la viande voilà. De porc ou la viande de porc, voilà. Vous la mettez un petit peu ça prend dedans. Voilà. Vous l'avez vu, là, vous l'avez suivi, hein. Il a mettre un petit peu ça prend quand il a fait revenir à son le porc. Bah, même ça prend. Bah, même ça prend. Tout à fait. Mamie met mon ça prend. Regarde. Oui, voilà, la couleur. La couleur est tout. Ah, magnifique, hein. Ça attend longtemps pour la couleur. Côté. Et cotomili, si vous y aimez un peu, on peut mettre comme ça là-dedans. Cotomili. Ah, mais adore ça. Après la fin, là. À la fin de mon équipe, si il cuit pas, ça. Oui, il pas cuit. Mais dessus, sinon les pièces sont en arôme après. D'accord. Mais là, après, là, comme c'est du pion, ça laisse aller cuire un petit peu. Ah oui, ah oui. C'est-à-dire que vous voyez un petit peu de l'eau, là, c'est couvert. Après, on dit mon calbas dedans. Et combien de temps pour la cuisson du porc comme ça, là? 25 minutes, et après, nous met la calbas. Parce que là, on peut manger, il est caoutchouteux. Oui. Et le porc, faut bien cuire aussi. Bien sûr, bien sûr. Autant que du porc qui est malsain, il faut faire cuire parce qu'il est malsain. Il faut faire bouillir. Mais la porc, elle est aseptisée. Non, mais toujours fait bouillir la viande porc, après, on fait cuire le coup de quand même. Il faut vraiment cuire. Est-ce que le porc peut encore apporter des maladies comme avant? Pas comme avant. Ouais. Ouais. Même si on fait cuire. En fait, c'est beaucoup de la tête. Voilà. Hein. Donc, moi, je ne crois pas un porc quand t'as un tard. Non. Il faut faire cuire. Il va rester sous salilé. Il va rester sous salilé. Ah bon? Ah oui. D'accord. Ah, mais c'est pas aussi. Il fait pas. Parce qu'il est trop dur. Non. Trop dur. Hein. On n'a jamais vu avant. En tout cas, moi, on n'a jamais vu. Et cochon le lait en tartare. Mais à ma fille, du bœuf tartare. Non, mais c'est la viande. C'est cette viande-là. François! Il s'en va, François, là. Allez, imagine. Il fait tartare bœuf. Tartare bœuf. Tartare le tout. Tartare porc. Il y a des cochons, c'est pas quoi ça? Parce qu'ils n'arrivent pas contents. Ils n'arrivent pas contents. Non, mais là, dis-moi, François, c'est dur. Mais dis-moi, si tu prends un petit cochon de lait. Non, cochon de lait, il fait griller. Fait griller. Non, la viande, il ressemble trop à la nôtre. Ah bon? Il est obligé, fait cuire. Sinon, après, on trouve à nous. Bon, on mange à nous. mais vous êtes tracassé là ce soir parce qu'il n'a point la morue. Et vous connaissez pourquoi? Demande à lui parce que son voisin a dit il vient, Céline a dit viens pisson au case. Viens pisson au case. Parce qu'il n'y a rien que la viande. Demande à lui. Mais il paraît que la viande, tu aimes ça? Oui, mais la viande, c'est incroyable. Mais là, on a un politique là, de monstre de viande. Vegan. Mais oui. Donc, moi aussi, comme il fait court, ça. Mais hier, c'était pas la viande. C'est comme il s'en sert. Mais non, la viande. Mais comme il s'en sert le monde souvent. Ben. Donc, tu as besoin d'acheter. Mais quoi, c'est pas vrai? Ah, ben non, mais si Domouni donne, ah, bien sûr! Oh, t'es bien! Eh, charmant, monsieur, comme si vous votre porte, donne pas rien pour cela, bien sûr! Dans mon frigidaire, dans la quitte camaron, crevette, sounou, zaran! L'angouche! Quelle langouche! Quelle langoustine! Zizi, excusez-moi, le dernier coup m'a trompé, mais il faut être à l'argent, mais après, quelle langoustine! Il m'a dit ça, quelle langouche! Quand t'es fini de manger, il dit ti!
La vie que maintenant, on était. On évite de mon case. Oui. On veut nous payer l'argent pour acheter l'embousse. On achète un petit peu de noix de Saint-Jacques. On rajoute dedans. Oui. Personne n'y connaît pas. Et puis, on trappe l'angoustine aussi, parce que l'angoustine est. L'angoustine aussi est bon. Mais ça, j'ai dit, ça, on a dit l'angoustine, non. Jean, j'ai dit pardon. Pardon. Non, ne t'inquiète pas, on va s'habituer à un moment donné. Mais non, ça c'est un demi-diamant. Un demi. Ouais. Voilà. Par exemple, le bouniagri, tout ça, l'affaire des sauts. Putain, l'angoustine. Gros mot. Mais c'est un joli mot, l'angoustine. C'est un joli mot, l'angoustine, c'est. Parce que. C'est presque langue de ton maman, mais ton maman, lui n'ose pas dire. Il n'ose pas dire. Hein? La chose. Non mais c'est ça même lui voulait dire. Mais non, donc, par exemple, mon il veut pas trop gérer, mais il est collé. Par exemple, la Julie est là. Mais ça n'a pas dit l'anguette carrément. Pas bon, on dit l'entrequête. On connaît maintenant que c'est faut dire. Par respect. Je te dirai l'angoustine. Le grain, ma vie, il est bon. Le grain est bon, et alors hein, ah, bien qu'est-ce qu'on fait une boîte là-haut là. Alors, pour mettre le couvercle dedans, pour craser, il faut pas y couper la main. Ah oui, d'accord. Et puis après, il fait moins de volume aussi pour les déchets. Voilà, exactement. Protéger un petit peu la planète, moi dire. Pour la planète. Exactement. Mais ma vie, le grain est bon, hein. Ben, là, mais c'est un petit peu, mais ça couvre, allez. Ouais. Allez, bon, il y a bien en crème, ça. Ah ouais, bien en crème, hein. Voilà. Alors, je donne comment il est. Ah ben là, comment il est, mais quand on l'invite à nous manger un petit peu de carré cochon, hein. Carré cochon, il dit cochon, moi, cochon. Cochon fait plaisir, lui. Cochon fait plaisir. Elle a dit cochon, il soit dans le parc. Oui, dans le salon. C'est pas qu'est-ce dans le fauteuil. Pour qu'est-ce dans le fauteuil. Tu vois, cochon, il est dans le zéro. Ah, je donne. Oui. Comment Jean-Paul va le parce que vous avez déjà joué avec depuis longtemps. Ah, attends, depuis quand, comment Jean-Paul. Ah là là, la plus 30 ans. Plus 30 ans jusqu'à ça. Ah, ben depuis, ouais, depuis plus 30 ans, après on a fait l'assassin ensemble. Vous êtes en France avec. Mais t'es en France avec. Et Tropique de Paris. Tropique de Paris. Voilà. T'es guitariste là-bas dans le Tropique de Paris. Oui. Voilà. Et puis quand on arrive ici, à temps en temps, accompagné. Ben quand là maintenant il est ici, maintenant nous on est toujours ensemble d'avant, tout le temps ensemble. Ouais. Quoi, passant l'autre comme je dis. Des grands projets ça n'est pas là. Ah oui, d'un grand projet là, combien il y a fait comme ça. Ben nous ça refait le groupe Tropique ici à La Réunion. Ah, Tropique hein? De La Réunion. Tropique, non, la fête Tropique de Paris même. Tropique de Paris à La Réunion. Ben, Tropique de Paris à La Réunion, parce que nous quand même, il a fait quand même 30 ans de plus. Ah ben nous vécu plus là-bas que La Réunion. Mais notre racine est notre racine. Voilà, comprends. Notre racine créole est dans nos têtes. On va pas vite entendre quand j'entends créole. Oui, je dis pas je tue mi, je tue moi, je tue mi. Hein. Ah bon. Ah non, on peut l'être savoir, non. Créole, c'est créole. Ah, Tobat te connaît, Tobat te rouge. Des fois les verts, ils battent dans le carré même. Quand la cyclone, ils mettent Tobat vert même. Mais carré, bon, hein. Et au cuisine un petit peu où, tu donnes. Hein. Je donne au cuisine un petit peu où. Ah, moi, je cuisine quand la fine cuit. Bitoine cuit, il y a dedans, moi. Mais cuisine, bitoine cuit, je me viens goûter, je me dis c'est bon. Viens goûter, moi. Je me dis ça, c'est bon, ça, pas bon, ça, manque de sel. Des fois, il fait un petit peu d'intéressant aussi. Même s'il a assez de sel, il manque de sel. Ah, moi, mon carré préféré, mais bien me tendre. Tant mieux. On voit disparition, ça, tout le monde. Ah, donne ce bain, tout le monde, tout ça. Ah, il fait coin. Ça, on peut. Ah, non, ça, pas pareil, ça. Mais pas pareil. Non. Ouais, hein. En France, là-bas, tongue les blancs. Tongue les blancs. Ben, mais normal. Ici, tongue les rouges. Gardez-vous le camp, ben. Les bois de meneur. Hein. Allez, ouais, ben là, là-bas, vas-y, on parle là-bas, regarde. On parle là-bas. Là-bas. Ben, allez, ouais, bon. Ben. Ok, alors, mais nous, tout à l'heure, alors. Je touche la table. Bah, dis-moi, m'attends de mon hier. Bah, goûter. Mais ça va, il est bon là. Allez. Comme ça fait masser les poulets. Masser les poulets. Un petit peu de l'huile. À cause d'une soignons les gros. La pique. Eh, Julie, t'es où ça. Viens voir ça, on gâte tout ce qu'il y a. Je fais la noyer pas. C'est ça, mais il m'a pas compris là. On va mettre 7 grains. On met 7 grains, je rentre dedans. Voilà. La pique dans le soignon. Voilà. Ça la masser. Voilà. D'accord. C'est la noyer pas du rock. Mais il te connaît pas ça, non. La noyer pas du rock, il y a un moment collé comme ça dedans. Ah, mais il doit donner bon goût, hein. Relève ma salée. Relève ma salée. Pas trop d'huile. Pas trop d'huile. Pas trop d'huile. Hein. Attends. Voilà. Là-dedans, l'ail. Un petit gingembre aussi. Hein. L'ail, gingembre. Julie, nous a dit que cette année, nous parlons plus de pilon, caillou, quoi que ce soit. Arrêtez un peu avec ça, là. Maman, il nous l'a assez donné à Zod. On va changer, on va parler d'autre chose. Mais on va plus parler de ça. Voilà. 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 Voilà.
Mais laissez le temps parce que la cuisine, elle marche bien. Ah, là, elle marche bien. Là, ça marche du feu de Dieu. Voilà. Du feu de Dieu, voilà. Là, là on est tomates, hein. Voilà. Maman, c'est à base de sucre créole, tu connais, hein. Non, lui, il a changé de sa prison, hein. Voilà. Mais comment ça se fait qu'une sauce créole est différente de celle d'habillé? C'est un commun. C'est le commun. Ah, ben ça, c'est le commun. Vous avez rien connu. Seulement à l'odeur, on connaît que les bons, là. Voilà. Émilie, vous me souvenez beaucoup de mal. Ben oui. Vous comprenez. Vous avez vu comme le tout. Un coup de manchette. Bon, chef, hein. Ouais. Oui, très. Mais ça va voir tout à l'heure. Et d'abord, vous avez dit que ça, il y en a où à manger là. Comme je viens dire là, ça m'invite à où manger là. Vous avez fait ça. Un regard saucisse. Ah, il a fait cuire. Ah, mais quand, maman a toujours dit que c'est le compagnon qui fait cuire. Ben là, tu tombes encore plus amoureuse. Ça m'a donné la femme, ça va aller un instant. Tu coupes la femme de la houle. Alors, on attend. Je suis où la fois, Tamara, mettre vinaigre. Vinaigre, de l'eau, safran, calculé, 4 épices, ouais. Avec ça, machalé. Avancez comme ça, avancez comme ça. Après, là, dedans. Ah, on peut bien massaler quand même. Hein. Bien mal, bon, tu peux bien massaler. Ah, tu massales capri, là, t'es bien bon. Hein. Et tu ne veux pas aller d'ouvrir ce système-là, ouais. Ah, aussi, mais au par contre, on fait en entier. Non, mais excuse-moi, le roulage ici, hein, c'est sur les motifs de recherche. Ah. Comme à Djaou, en 2018, le mot rougail saucisse a été le plus recherché sur les moteurs de recherche Google, notamment, en France. Donc maintenant, s'il fait un moulin, allez, allez, voilà. Mais si un métro, là, ça va, comment il fait un rougail saucisse, tu tapes sur Google. Et si tu tapes YouTube, ben forcément, peut-être, tu vas tomber sur le canal Austral et on pourra avoir une vidéo d'un comment il fait un rougail saucisse. Voilà, et là, elle m'a pas vu, on la rajoute un petit peu dedans. Voilà. Les mixtures, puis le tomate confecture et tomate. Et la feuille de papier. Voilà, confecture et tomate. Alors, là, il y a rajouté quoi? C'est qu'on a quoi d'autre massalé là? Un peu de l'eau dedans? De l'eau, ça prend. Oui. Calopilé. Calopilé. Quatre épices. Oui. Un petit peu de sel. Un petit peu de sel aussi. Ça prend et voilà. Un petit peu de sel, hein. Un petit peu de sel aussi. Et bien, comme quoi, chacun a son façon de faire massaler. À moi, je mets directement le massalé sur mon viande comme ça. Et Lily prépare de voilà. Cette façon. Ben, les... Moi aussi, des fois, on fait comme ça. Bah, après, il dépend. Non, mais change, mais c'est bien. Hein. Bah. Moi, je suis content voilà, de voir les différentes bien... façons de faire le massalé. Okay. Lily, je suis bien. Stéphane, nous, attends, fais là-bas une flamme là-bas, là-haut. On est bon, hein. On est bon, hein. Et une flamme, ça monte en haut. Jette un coup d'œil. Jette un coup d'œil. Là, le massalé. Ah oui. Ah, on va comment il y a, hein. Voilà. Ça porte bien cuit, ça. Ça porte bien cuit, hein, exactement. Là, là les bons. Ça vient manger. Mettre ça. On va bien s'en régaler. Hein. Ah oui. Et là, on rajoute tout le reste après. Ah. Hein. D'accord. Et là, il voit bien massaler le fond, là. Hein. Là on laisse quoi tout à l'heure ou bien on met tout non, on met tout le reste. Mais laissez cuire un petit peu. Ah, d'accord. Mais tu peux cuire. Mais un peu, oui, il a fait cuire le massaler. Ouais, ouais. Je ne suis pas là. Il y a un petit grain sous la. Oui, après, au sens que là, c'est pas mal. Je pense que c'est essayé. Mais ça, c'est fait la façon là. Bien, bien. Vous allez heureux à soir. Ça fait bread moron avec le thon. Avec un petit boîte le thon. Ouais. Hein? Deux boîtes le thon. Jolie, ça fait un petit boîte. Ben oui, il mange pas la viande à soir. Un petit boîte le thon. Voilà. Et qu'est-ce que ça met dans le bread moron là, nous là? Ah, bread moron, c'est simple. Mettre ça, de l'ail, l'ail puis. Petit grain piment s'il faut, oignon, un petit peu tomate, m'y mettre aussi, mais un petit peu mettre, mon m'y fait pour mon mot là prendre la main. Hein. Ah, ben bah. Tomate en bread. Ah, ben comme ça, moi aussi, mettre tomate en bread. Mon mot, il y a prendre la main comme aussi, ça. Ben voilà. C'est pareil. Voilà. Après, la poêle tomate, même pas. Ben voilà, il donne un autre goût. Voilà, voilà. Mais marronni, un instant. Oui, viens. Marronni, non, soit c'est mon gars. Soit c'est mon gars, hein. Marronni, coucou, passage. Ah, mais sinon, t'en as lioté. Voilà. Mais mes cours, t'as mon gars avec nous ce soir. Et les autres artistes aussi, bien sûr. Ça fait toujours plaisir. Tout à fait. Donc, ben madame, hein, on a notre cher Jean-Paul Volney que les là. Et puis, Kral. Non, Jean-Paul. Ah, Jean-Paul. Ne mettez pas ça dans le domaine. Viens, d'accord. Ma fille, j'ai envie de fâcher avec vous. Aïe, aïe, aïe. Fenêtre, femme comme on parle aux autres. Allez, Rosette, on fait une petite flatterie. Jean-Paul, il est flatté là. Mais. Good luck. La jambe. Attends, mais ça va. Là, Jean-Paul Volney, envoyé à moi. Oui, mais Céline, t'as besoin un peu, j'ai la jambe. Pas tu regardes un peu, j'ai la jambe. Mais la salie, mon soulier. Regarde ça. Mon joli soulier, regarde ça. T'es la salie, mon soulier, Jean-Paul. Non, c'est comme ça. Comme ça. Et
Mathias, c'est une affaire. Mathias, c'est une affaire. Hein. Et bien, si d'autres ont besoin des chaussures comme ça, là, c'est des belles chaussures italiennes. Ça, regarde ça, comment il gaillard là. Les tristes, tu connais comment il faut faire? Ben, on dit, regarde Canal Ostra, on a une pub qui passe chez nous, on a un site internet, on a un Facebook et tout. Et puis après, pour avoir des chaussures de grandes marques comme ça, italiennes, mais à des prix défiant toute concurrence. Légalement, bien entendu, à La Réunion. Non, là, pas pour les femmes, parce que le monsieur, son nom, son emmaille, il y a paye, et ben, lui, là, il fait que pour les hommes. Mais bon? Ok, ben Mila, ça va être l'occasion d'aller regarder un petit peu. Le numéro est affiché en dessous, appelle Ali. Appelle Ali. La prochaine fois, déjà, pour les hommes, les gars, regarde ça comme une gaillard. On a de belles, oui, c'est belle, belle chaussure. Mais j'entends. Mais si tu penses, plus, mais ça fait mon rapporteur. Ça fait te rapporter. Parce que j'étais facteur, j'aurais dû m'apprendre la retraite, mais ça mène ça pour Céline. Dans une position de danse théâtrale. Position de danse théâtrale. Oui, ça. Allez, où alors? Suivez-moi, ça fait le pas de danse. Céline, l'ombre est là. Et voici ton zinzin d'arrivée. Et voici le. Ouais, c'est attends, ça. Attends, on va nettoyer. Allez nettoyer, donne-moi même la terre. Ah. Si ça, c'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est? Ah, oh, Céline, son monsieur Gabi Lalcune là-bas, écoute, où là? Non, mais c'est là-bas, frère Tienel. Ma vas-y, amitié là-bas. D'accord, d'accord. Oui, c'est ça. Bah, de toute façon, on va aller comme ça. Hein? Elle est bon. Ok. Et hey, allons cuisiner parce que nous avons un petit peu là. Il y a gâteau qu'on a mis transpire. Il fait chaud ce soir. Hein? Ouh, à quel moment souviens? Oh, je le vois bien. Oui, oui, oui. Plus tard, plus tard, plus tard. Alors là, sur ma salée, il est bien réduit. Il commence bien bouillant. Voilà, il commence bien bouillant. Hein, il prend les filets jolis. Hein. D'accord, donc il revient bien comme ça. Ah, ouais, ben il est bien aussi fait comme ça. Il va mettre du poulet. Là, on va mettre du poulet pour la faire revenir tout à l'heure. Hein, ouais. Avec toujours un petit peu safran. Eh, mais c'est bien jaune ça. Ouais. Comme je fais, Julie. Ah oui. Vous l'avez bien gardé. Bah, pas trop jaune. Ben, maman, bien mettre safran. Ouais. Et maman, c'est pour ça, parce que là, c'est une nouvelle coloration à base de safran. On va voir ce qu'il donne. Hein. Il protège aussi. Jean-Paul, on ne met pas safran, on ne met pas de room. Alors, regarde, ça comme est jaune. Déjà, dès qu'on tourne, tout de suite, on a la couleur. Ah, c'est un petit soin. Mettre ça dedans. Tout de suite, on a la couleur. Et là, on va mettre dedans tout de suite. Là. Oignons avec. Et pourquoi on mettait bien la fin comme ça? Ah, ben, girofle, pas trop le goût, ça. Après, le goût. Et après, girofle, là. Tu mettais là-dessus, elle passe pas sous la dent. Si elle passe sous la dent, elle est pas agréable. Oui, c'est ça. Ah, mais comment tu peux me laisser cuire? C'est cuit pas longtemps. Ça. Cuit pas longtemps, ça. Moi, je peux expliquer l'eau, non? Ah, non, non, non. Ah, non, ça peut. En tout cas, vous êtes notre cuisinier. Il fait combien de temps dans le monde de la cuisine? Depuis 98. Bravo, hein. Bravo. Voilà. Bon, Julie, je vais faire un petit coucou à Jismir Amoudou avec son. Ah fois. Alors, donc je vais faire un coucou à Jismir Amoudou. Jismir, gros bisous à toi. Salutations, hein, Jismir, donc, carrément, l'autre fois qu'on a fait notre massalé, cabri et légumes. Ben, Jismir, il a une petite pensée pour vous. Et nous espérons vous retrouver bientôt. Où sont Vanimon, j'ai bien avec nous, Jismir. À bientôt. Jismir, bien, carrément, là, la dame colle comme il veut, nous passe. Ali avec, bien sûr, Thierry Arraille de Télécréole. Et ben, nous, on vous attend. Non, il y a déjà appelle Jean-Claude. Ah, c'est vous, bon, Jean-Claude? Ah oui, là, on a un affaire dangereux là. Ah, on a un affaire dangereux là. Tout ça est dangereux là. Il n'y a pas crasé, oui. Il n'est pas crasé. Ah ouais. Il ne pas rajouter de l'eau dedans. Ah hein, non, couler non. Ah. Il ne rajoute pas de l'eau, hein. C'est un petit peu le bon. Je sais pas, il coulait de l'eau. Voilà. Il a assez de l'eau dedans. Ah bon. Nickel. Ah, en tout cas, la couleur est jolie, hein. Avec vous réussi à un bon poulet massalé comme ça, il faut faire avec un petit peu de la là, on va mélanger de l'eau avec le massalé. Bah, en fait, faut pas trop cuire. Faut pas trop. Et vous ne pas le massalé là? Ça me fait toujours un mal à barrer. Mal à courir, mal à pire, les roues sont mal à mine, mal à dire, les familles de garde. Regarde, vous avez vu comment le massalé est joli? Écoutez, il manque juste un bouillon là, son. Eh oui. Un petit pois citrouille. Eh bien, c'est vite ça. Un petit pois banane. J'avais fait, oui, là, son. Tu fais. Oui, là, son. Fais souvent. Ah oui. Si, mais fais-moi. T'as ma fille, vite fait. Oui. Attends, ma fille. Un bouillon là, son. Ah oui. Eh, visez un bouillon là, son. Ah bon, feuille banane, hein. Ah bon, on a une feuille banane, moi, ça. C'est fait, vite ça. Et là, on la rajoute pas dedans. La marge de calebasse. Ça, c'est comme ça. Et là, on rajoute à la fin, ce moment. Ah oui, parce que sinon, ça sera apuré après. Ça sera apuré sinon. Ah oui. Vous là, on laisse pas trop cuire, hein, pour que le chrome ne se fasse. Il n'y a pas le calebasse, un petit quart d'heure. En tout cas, la couleur est jolie. Hein. Mais c'est pas un massalé, hein. Non, c'est un carré créole. Voilà, carré créole. C'est lui, nous l'a vu ça, hein.
On t'en boîte, ben oui. Mais là où vient qu'il y a l'Austral pour faire le chou de tout. C'est pas grave. Habitué, moi. Voilà. Salut. C'est cuit doucement. Non, moi, il y a quoi? Il y a un par contre, il fait. Vous faites le bon, toi. Là, c'est un point de vie. La ville, la ville. La ville. Oui. Ah, moi, non, moi. Mon grand-père s'appelle Léon Ramalin, comme tant gâti. Ça, ils sont dans l'aine comme tant gâti. Hein, Rome Sabi, t'as envie de bouquer. La partie bazar. Rome Sabi, m'a dit, Moutoukouti, ça, mon grand ami. Ils sont dans l'aine, tant gâti. Non, parce qu'il a mélangé. Normalement, il met à part, mais il a fourmis pour baiser. Ah, fourmis tellement. Ah, oui, ça, on garde sa fourmis ici. Fourmis, il est plein, il faut pomper, maman. Mets dans la nature, mets dans la nature. Pomper, pomper. Ben. Parce que c'est parce qu'il a tout ça qui est allez. Voilà pourquoi. Cause gros. C'est ça. Quand on était timide, on ah, maman, ah ben oui. Voilà. Mauvais voisin, mauvais voisin, mauvais voisin, mauvais voisin. Qui a un bon voisin, a un bon matin. Qui a un mauvais voisin, a un mauvais matin. Moi, on a un bon voisin, donc on a un beau matin. Mais simplement, un coup, mon avait déménagé, mon appartement tombe côté un mauvais voisin. Oui. Mon chien, il aboie, il dérange à où. Mon coq, il chante, il dérange à où. Tambour mal bas, il dérange à où. Déménagé. Bravo, Jean-Paul. J'ai dit tes belles chansons. Ah. J'ai dit tes belles chansons. Voilà. On t'écoute, Jean-Paul. J'ai dit tes belles chansons. T'es Jean-Paul, voilà, il chante bien. Non, mais ça, vaut mieux avoir un bon voisin. Qu'on ait un bon voisin. Le voisinage est très n'importe important. Parce qu'un voisin, il peut pousser à où à faire des maladies psychosomatiques. C'est psychosomatique. Vrai. Psychosomatique. À cause du voisin. Mais à nous à la Réunion, ce que les bien, c'est que même si le voisin a des animaux, même s'il soigne son cabri, même s'il soigne son volaille, donc là, fin habitué, on dit pas rien. Le matin, même si 6h, 5h, le matin, volaille, là, il y a. Ben oui, maintenant. Déménageur! Déménage pas, le fin habitué. Ma fille même habitué que le chien, mon voisin. Voilà. Ben, voilà. Mais simplement, quand le monde, il vient en face, il arrive, il dit ça vous dérange pas, le voisin, il me dit non. Déménageur! Céline, la fille, mettre le ton de ma vie, elle m'a pas vie. Céline, m'a pas vie. Poisson mort. Là, on a rajouté le petit boîte tout, le petit boîte tout, et là, il est vide, hein. C'est malheureux. Vous connaissez un petit manger qui mange bien, ça? Ah oui. Il crase un petit peu le tour? Non, il crase pas, moi, il va craser lui-même. Il va craser. Il préfère m'écouter du tout, moi, crase. Il va pas mettre safran. Ah, il mettra, moi. Il met pas safran, il va faire ça. Jean-Paul! C'est bon, regarde les roses. Sinon, moi, il a va, ouais. Jean-Paul! Jean-Paul! Oui, qu'il a fait? Attends-moi comme ça, ils mettent pas safran dans où gagne le ton. Ah non, ils mettent pas safran dans le. Ah, il peut mettre, hein, normalement, ça, il peut mettre. Ça, c'est l'air, mettre. Mais moi, ils mettent pas, regarde les roses. Vous mettez rien pour la couleur. Elle, ils mettent pas rien pour. Vous pleurez déjà, Lila. Madame, monsieur. Ah, mais mieux remettre un petit peu ça. Piment, pas piment, mais qui les autres piments là? Ah, il fallait t'écraser dedans. Ben voilà. Mais si tu mets piment, on a un peu de monde, tu mangeras pas. Ben arrête un peu là, hein, tu savais une grande monde, Nena, t'es là, il n'y a pas moins un peu de piment d'un carré. La mettre de fée, la mettre de fée, la mettre de fée dans le sang fourneau. Quand il y a mettre de fée, là, il y a la reine dans les bois. La touche pas, mettre pas sa foi, mettre pas rien parce qu'ils ont collé, elle apprend à mourir. Simplement, Non, il peut mettre un petit peu, il ne faut pas exagérer non plus. Mais safran, il en a rien coulé, mais là, les jolis, là, mais là, quand on a pris safran, on ne connaît pas si c'est un rougail graton, on ne connaît pas si c'est un sauce-quoi. Ah, ou, tu dois me répondre, hein. Oublie pas, hein. Seulement.
Oublie pas, hein. En forme, là. Ah, mais la manière, tu es jolie, hein. Première fois, moi, Céline fait la cuisine, franchement, on a un coup de main. Ça arrive à où, là? Ben oui. Première fois, on fait la cuisine. On va faire la boue, tout le temps, tu es assise là. C'est moi qui fais tout. Mais ça, c'est un gros mot. Mais là, il ne fait pas la cuisine. Vous connaissez qu'on s'en fait avec Gabi? Mais là, on voit de bataille avec moi, ou là? Mais ça dit, Gabi, allons former la HMF. C'est quoi ça? La HMF, l'Association des hommes maltraités de France. Ah, bon. Et nous, on va faire une réunion. Mais non, la réunion. HMF. HMFR. Voilà. Association des hommes maltraités de France et de la Réunion. Voilà. Mais simplement que ce soit en France, on a fait l'association. Ouais. Mais après, quand on avait les adhérents, on m'a dit, je viens, on a fait des réunions, tout a dit, tout est bon, ouais, faut de femmes, nous voulons la liberté, voilà. Mais après, tu as fait tes films, le jour de manifestation, tu t'es caché de dire, ouais. Il est à moi, avec l'association des hommes maltraités de France et de la Réunion, ouais. Mais après, à un moment donné, quand le madame maltraite, là, vous n'avez pas de limite, déménagez ! Ben, il n'y aille pas parce que vous êtes déjà vous êtes sous l'emprise. Ce matin, on m'a entendu une émission sur une certaine radio sur la manipulation. Ben là, il parle des femmes maltraitées, mais là, des hommes, il gagne bien. Et des paroles, madame, mademoiselle et messieurs, les plus dures qu'un claque des fois dans un couple. Mais pèse mes mots. Des fois. Il y en a des paroles plaisir qu'un claque donné par une femme à un époux trop gentil. C'est pour ça que nous avons créé l'association des hommes maltraités de France et de la Réunion. Et là, bon, ben, tout ça, tu veux relier avec moi. Parce que moi, je suis maltraité de la ville. Il y a un numéro de téléphone, tout ça n'affiche pas. Alors, le téléphone, oui, mais là, on sait. Tout ça, là, est en secret. Parce que notre révolution, il faut nous faire ça en secret. En secret, comme dit Bonna. Et le jour où viendra l'homme. Comme il y en a des femmes ministres, on n'en pas. Ça longtemps, mais ça. En plus, il y en a un monsieur, il est là. Il a dit femme ne commande pas les hommes. Il y a 100 son parole, son sans son. Il a dit comme la femme, il commande bonhomme. Il y a 100. Madame la Ferrougaille, cher ami, tu as changé d'idée. Mais donc ça prouve que vous n'êtes pas un imbécile, Gabi. Il n'y a que les imbéciles qui ne sont pas d'avis. Ça va, Stéphane, où ça fait bouillon là, son? Ah oui, là je suis pas là. Les gars, combien de temps? Ça, c'est propre au cuisinier, ça. C'est propre au cuistot. Ouais. Et tout cuisinier manque un petit peu sur le doigt aussi. Oui. Ah non, t'as regardé. Ah, tout là. Ah oui, t'es. Ah bon, mais connais tout pas le menu, j'ai manqué mon sur le doigt. Qui ça? Willy, c'est gars. Willy, allez, un petit coucou la prochaine fois, là, mettre une main sur la machine. Coucou Willy. Allô Luciano, comment ça va? Ah, mais tranquille, correct, l'endroit est... appréciable. Miam la cuisine, mais Miguel m'a fait la cuisine. Ah non. Si me fait la cuisine là, tout ça va chasser là-bas. Non. Alors, c'est une production. Oui, Maronet à prod. Hein. Maronet à prod. Alors, comment on a écrit le nom dernièrement, qui a un petit mal dans l'ego, hein? On a écrit Maro. Marron, mais marron, marron, hein, 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 marron, voilà, mais n'est pas marron, c'est moi. Pas marron. Ouais, mais. Notre production, les. Voilà, le produit autrement. Oui, c'est ça. Ben, en fin de compte, moi, je m'occupe des artistes, déjà moi, et puis des artistes autour de moi, quoi, mais que. M'a plus ou moins grandi avec, m'y connaît, quoi, en fin de compte, ça. En fin de compte, c'est des artistes que m'y trouve, que des artistes que. Comme il voit une affaire, que la première personne il occupe, mais il essaye de donner un coup de main, mais essaye à mon niveau, chaque méga effet, mais essaye aller avec les autres, accompagner les autres, c'est pas évident, mais bon, si pas moi il fait, apparemment, on n'a pas trop de monde il fait. Mais quand on a fini bien, quand le fil a fini bien sorti là, on a bon PV. Donc, mais voilà. Ah, hein. Ça ouvre.
Ah, ça m'aime ça. Ça m'aime ça. Ça va, dis-moi. Ouais. Stéphane, mais bon, il y a la son. C'est pas impeccable. Impeccable. Bon, la consommation là, le thé, de l'huile. Et vous l'apprenez, ma amie, la finale, peu. Ma chaque fois, mettons de là. C'est le reste carré, ça. Que le reste carré. Ouais. Et là, c'est ma ferrure du carré dedans. Ouais. On va reprendre le fond, on va dire. On appelle ça un fond. Ouais. Hein, ça reprend un petit peu de l'eau dedans. Ouais. On va décrocher le fond. Là, nous, on va mettre un petit peu d'oignon, un petit peu de citron, ouais. Un petit peu le thé dedans. On peut descendre, ça met un petit peu. Comment on met ça? Silon, voilà. Un petit peu silon avec le vinaigre. Ouais. Sinon, vinaigre aussi, alors, hein. Sinon, mettez enfin, là, comment on appelle ça? Tamarin. Mais vinaigre, il faut faire. Ah bon? Vinaigre, mais. Vinaigre, mais. Voilà. Après, la sauce, c'est ni plus ni moins qu'un. Voilà. Après, je veux prendre un peu la sauce au carré. On va mettre dedans, ouais. Mais la sauce au carré, je ne peux pas prendre tout le temps parce qu'il ne mange pas porc, il ne va pas vouloir. Autant faire une sauce à part sans. Voilà. C'est bon, ben, donc c'est toujours un fond carré, ouais. Si on veut, ouais. T'as ton 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 de la sauce, c'est ça, ouais. Voilà, c'est le vinaigre, le sel, le poivre et puis les oignons, aux oignons, c'est bon. Ouais, c'est ça, voilà. C'est bon, ben, il laisse un peu là-bas. Ok, merci. C'est bon, ça. Vinaigre. Hein? Regardez, vinaigre. Ah, vinaigre. Ben, mais, ça vinaigre de l'eau. Vinaigre. Vinaigre, vas-y. Ah, bon. Mais jamais trop connaître. Mais jamais trop connaître, moi, c'est là, son, ma garde un coup, ben. Ouais. Il y a de l'eau maintenant, hein? C'est un fond de carré. Oui. Oui. Citron dedans. Oui. Le thé, canne pilée. Voilà. Sinon. Sinon. Vindjon, sinéna. Un peu vindjon, sinon. Vindjon. Ok, pas trop de vindjon. Non, non. Vindjon, c'est quoi ça? Vous voulez pas non? Non, sinon. 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 Combien de vindjon? Cumin. Cumin, non? Sinon, c'est cumin. C'est pas trop compliqué, non? Non, okay. Pas compliqué, mais il y a plusieurs façons de faire ça. Là. Parce que, ben, l'épée fait. Ben, de toute façon, alors, comment on fait aller au Calix? Les amis, comment fait? Les amis, qui parlent ça, moi, Zili. T'es Calix, comment on fait bouillon là? Mais ça me fait bouillon là, sauter. Mais quoi, pas où? Oui. Calix, c'est grand cuisinier, je me fais un bouillon là. Non, ben, il y a des sols, jamais fait, faut pas dire. Tu l'as jamais fait? Non. Mais sûrement, ma gueule. Ma gueule, voilà. Si. Quand mon bouche n'est pas bon, m'a fait mon bouillon là. Alors, comment on ferait alors? Cette bouche n'est pas bon, imagine. Ben, et puis la sauce carré même. Ouais. Après, on peut écraser pour oui. Mettre dedans. Oui. On peut mettre safran, silon. Et là, il met le silon, hein. Et là, il met dedans. C'est le silon dedans, là, ils sont petits coups, là, hein. Voilà. Ça, hein. Ah, mamie, elle me met après. Bon, Julie, sur la monstre, quoi, ça, là. Après, jusqu'à demain, là. Fais attention, hein. Demain, ils sortent pas le matin. Wow, on a retourné. Hein. On a dit, même, tiens, bon, non. Non. L'avenir nous le dira. Voilà. Voilà. Ben là, on va l'essayer. Comment on mange, hein? On a essayé. Ah non, essayez. Mais bon. Et là, qu'on rajoute dedans un petit oignon. Un petit peu de oignon. Ben voilà, c'est le bouillon. Voilà, c'est le bouillon la ration, elle est faite. Voilà. C'est simple de faire ça, hein? Ouais. Oh, mais allons manger, non? Ben oui, allons manger. Ben, non, mais il n'y a plus rien. C'est... On a tout fini. Et bon, tu prends mes assiettes, là. Prends les assiettes et les autres ici à Amazon. Allez, allons. Qui ça, de temps en temps, ils sont tapés. Mais tu fais tous les vendredis dans cet André Comer. Arrête d'être en lasant dans le socomère. Vendredi, tu sors de sorcier. Le dimanche, ça prie bon Dieu. Et quelle salade qui était l'entraîne mener Comer. Arrête de croire encore aux histoires montées. Vendredi, tu seras de sorcier. Et dimanche, ça peut bondir. Quelle salade que tu l'entends, mini-commer. N'a plus qu'un an, tu fais ça même. À cause de tes noms, quand tu as problème. Arrête de manger, bande de vinaigre, commer. T'as les alissiers, bah saisis à toi. Tu payes puis ton crédit à la manger. Pas aujourd'hui, pas demain. Tout ça va retomber de chez toi. Ah, manger. Allez, joue moi. Ah oui, le grain. Mettre pas trop, t'as l'air de mon va dire comme ça, maman, il mange. Et on t'apprend, hein. Là, le gros, hein. M'habite le gros, c'est petit. Faut comprendre. Ah oui. Comment on parle ton? On passe à vos enfants. On passe à vos enfants. Allez, tiens, sur là-haut. Ça, c'est quoi? On a pris des rings. On a pris des rings. On parle de rings.
Je sais pas quoi. Non, mais je n'ai pas en sortant. Mais. C'est ça, vrai. Le orange, j'ai quand même pas oublié. Je comprends pas comment on mange plus la viande. En tout cas, merci bien. Nous retrouvons la prochaine fois dans une nouvelle émission de cuisine. Oui. Le canard austral, bien entendu. J'ai besoin de goûter, tout ça. Et pour un appel à ça, nous retrouvons. Allez, à bientôt. Dibana, comme ça, rendez-vous. Rendez-vous la prochaine fois. Avec Soleil Réunion. Cette émission vous a été proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères à La Réunion.